Autre titre de ce journal, c'est ce tête-à-tête jeudi à Goma entre le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, et Lawrence Wallers, envoyé spécial des États-Unis d'Amérique dans la sous-région des Grands Lacs. Au menu, la situation sécuritaire dans le Nord Kivu et dans la sous-région. Le point dans ce reportage de Patrick Sialois. Du Nord Kivu et Lawrence Wallers, envoyé spécial des États-Unis dans la sous-région des Grands Lacs, a eu lieu ce jeudi à Goma, en présence de quelques membres du comité provincial de sécurité au gouvernorat des provinces. Une première visite en RDC avant d'autres pays de la sous-région des Grands Lacs après sa prise de fonction pour s'imprégner des réalités de cette région. Je suis en train de faire une tournée, commençant par évidemment Kinshasa, et puis ici je continue au Rwanda et au Burundi, parce que ça fait partie du dossier des Grands Lacs. Donc c'était vraiment un moment pour moi d'avoir des entretiens pour apprendre surtout. Hein. Donc je suis venu à l'écoute de vos experts, de vos élus pour essayer de bien comprendre la situation ici. Donc on a eu un très bon échange, on a parlé de la situation dans les Kivu. Et ça va me permettre de mieux faire mon travail au retour à Washington. Je dois faire un briefing pour mes supérieurs. Donc, c'est vraiment une première prise de contact sur laquelle on peut continuer à discuter. Le remplaçant de Perriello promet de poursuivre l'œuvre entamée par son prédécesseur pour la stabilité de la sous-région des Grands Lacs. Et mon rôle, plutôt dans un cadre de continuation de ce qu'on fait depuis longtemps et notre soutien au programme de votre gouvernement pour aller envers davantage de...